centre, j'ai été ici pour lui et il allait très heureux. Maintenant, je vais laisser la place à Michel Gara pour la suite des opérations. Donc bonsoir à tous. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez, c'est ma plus âgée de l'Assemblée. Et ça me donne le privilège de, bien que n'étant pas élu maire, de présider un conseil municipal. C'est très bien aussi, vous voyez pourquoi parfois les patients qui t'arrivent et qui s'est attendre. Donc nous allons procéder à cette élection qui est une élection à bulletin secret. Je rappelle qu'en application des articles L221-22-4 et L221-22-7 du CGCT, c'est le code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé sera déclaré toujours le plus âgé. Donc maintenant, si vous voulez, je peux vous lire les articles en question, pour ceux qui le souhaiteraient, les articles du Code général des collectivités territoriales. Donc l'article 21-22-4, qui précise que le conseil municipal est élu maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolu. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes, président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire en cas de contestation à l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle concernant l'élection devient définitive. Donc ça c'est de la forme, a priori il n'y a pas de candidat qui répond à ces critères. Et l'article suivant qui est le 21-22-7, ça parle des adjoints à ce moment-là, on verra ça tout à l'heure. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, ce n'est pas notre cas. Quand il y a lieu en cas de vacance de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers, de même sorte que ceux auxquels ils ont appelé à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont dans l'ordre du tableau, même que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Voilà. Donc maintenant, on va constituer avant de faire cette élection, on va, comme dans toute élection, choisir deux assesseurs. Je vais penser à deux assesseurs, eux, si le terme existe. J'aurais demandé à Isabelle Roy si elle veut bien être assesseur pour cette élection. Et ensuite, j'avais demandé, puisque c'est le plus âgé qui préside, j'aurais demandé à la plus jeune de nos conseillères d'être également assesseur. C'est vrai, il s'agit de Sandra. Donc voilà, donc deux assesseurs désignés pour cette élection. Donc maintenant, cette élection, il va falloir que les candidats se déclarent.
à la candidature au poste de maire. Donc je demande au sein des conseillers présents quels sont les membres qui se peuvent. Monsieur le Président, pour la liste toujours à 100 par ça, je propose la candidature de Carayel Dominique. Donc Carayel Dominique, pour de la liste toujours ensemble pour Marsac. Patrick Grasque, donc qui est candidat également pour la liste Marsac Cultivons l'avenir. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à procéder à l'élection. Ça se passe au milieu, c'est ça? Et il y a un pointage qui est fait en même temps. Alors il y a effectivement un bulletin que vous pouvez faire manuscrit et un bulletin Dominique. Oui. Donc je demanderai aux deux assesseurs de bien vouloir appeler ensuite les membres du conseil selon l'ordre de la liste qui est déposée là.
total, donc 19 suffrages exprimés, donc il n'y a pas de bulletin nu. Nombre de suffrages exprimés, 19. A obtenu Dominique Cavaillol, 16 voix. Obtenu Patrick Grasse, 3 voix. Donc je vous remercie, mesdames, de ce travail. Et donc je proclame Dominique Cavaillol élu maire de Barsac et je le félicite. Je vous propose
qu'il y ait 5 adjoints de mettre au vote, comme la loi nous autorise, de mettre au vote qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité, merci beaucoup. Donc la délibération 17, c'est l'élection des adjoints. Vous avez donc, je vous propose donc Bloch, Philippe, Bédouré et Arscatel, Louis, Mathias, Marchal, Catherine, Mussot, Xavier. Donc si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais demander aux deux personnes qui ont été assesseurs juste avant pour le. Comme ça, vous allez faire toutes les élections déjà sur le. Ouais. C'est trop vite. Ouais, voilà. Vous avez aussi un autre document sur votre. Avec les adjoints, c'est là qu'ils veulent. D'autres qui veulent être présentés. Benoît.
installés dans leur siège. Merci pour eux. Je vous applaudis. Bien, la délibération suivante, c'est, je vous propose de créer trois postes de conseillers municipaux délégués. Alors, pour que vous sachiez, il n'y a pas d'obligation pour le maire de prendre une délibération pour officialiser le poste de délégué, le poste municipal délégué. Mais je préfère le faire devant vous, de transparence, donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'il y ait une délibération de mise en place pour les postes municipaux délégués. Donc je vais mettre au vote cette proposition de trois conseils municipaux délégués. Qui s'abstient, qui est contre, à l'unanimité, merci beaucoup. Donc maintenant nous allons passer au vote de ces trois conseils municipaux. Propose donc Cabresco Béatrice, Pratt, Cédric et Château Sandra. Donc, mesdames, je vous remets la contribution. Vous allez pouvoir procéder au dépouillement puisque les types de femmes ont voté.
Il y a 16 voix pour la liste des 3 conseillers municipaux délégués proposés. Et donc, il y a 3 voix pour Patrick Stas. Donc, je les mets en place. Alors, conseiller municipal délégué aux écoles, c'est Madame Béatrice Carvesco. Déléguée à l'action sociale, donc le CCAS, c'est Sandra Chatourne. Et conseiller municipal délégué à l'assainissement, c'est Cédric Pap. Bien, bravo à eux. Bien. Après c'est la délibération 20 qui porte sur les indemnisations des maires adjoints et conseillers délégués. Alors, le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2123-23, portant sur les indemnités des maires, L2123-24, portant sur les indemnités des adjoints aux maires, et L2123-24-1, portant sur les indemnités des conseillers municipaux. Vu l'élection du maire et des adjoints lors de la séance du conseil municipal du 25 mai 2020, vu la délibération du conseil municipal lors de cette séance du 25 mai 2020, fixant à 5 le nombre d'adjoints, et vu la délibération de cette séance du 25 mai 2020, fixant à 3 le nombre de conseillers municipaux délégués, le Code général des collectivités territoriales prévoit une indemnité mensuelle plafonnée à 51,60 de l'indice 1027 pour les maires des communes comprenant de 1 à 3499 habitants, 19,80% de l'indice 1027 pour les adjoints des communes comprenant de 1 à 3499 habitants et de 6% de l'indice 1027 pour les conseillers municipaux délégués dans l'enveloppe budgétaire maire et adjoint. Donc l'enveloppe globale pour les collectivités de 1 à 3499 habitants. L'enveloppe globale annuelle est de 78 690,12. Je vous propose donc que le taux en pourcentage de l'indice 1027 soit pour le maire de 48,50%, pour le premier adjoint de 18%, le deuxième, troisième, quatrième et cinquième adjoint de 13,50%, conseillers municipaux délégués 1, 2, 3 de 3,55%. Ce qui fait un total, pour information, pour l'enveloppe globale annuelle, telle que citée avec les pourcentages que vous avez au-dessus, de 61 211,28. C'est 61 211,28 au lieu de 78 690,12. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non. Je vais mettre au vote qui s'abstient. 3. Qui est contre? 16 pour, 3 abstentions. Merci beaucoup. Juste avant qu'on ne termine, puisque la séance arrive à sa fin, vu les délibérations qui étaient les nôtres, il y a, comme vous le savez, avec le confinement qui a été difficile à vivre, beaucoup de choses nouvelles qui pourraient nous arriver, et nous constatons beaucoup au niveau de la mairie, par les frais évidemment de sa rotation, qui sont beaucoup plus importants que ce qui peut être prévu. Nous nous adaptons, nous ferons mieux, mais sachez que ça aussi sera une incidence sur le budget, que nous serons amenés à vous présenter à peu près dans 15 jours, je pense qu'on pourra le voter. Donc, il sera présenté à l'ensemble du conseil municipal. Comme l'a dit le Premier ministre, il nous faut le plus rapidement possible relancer la machine. Parce que l'été arrive et pour pouvoir permettre aux entreprises de travailler sur l'année et la nôtre, pour leur permettre de leur donner du travail, ça va être un peu compliqué, donc il ne faut pas que l'on prenne trop de retard. C'est la raison pour laquelle on va, avec notre ami Mathias, oui,
Patrick, qui est notre adjoint en finance, on y parle déjà depuis quelques semaines et on va finaliser tout ça pour le présenter à cette conseil municipal. Voilà. Et après, on essaiera de plus aller le plus vite possible par rapport à ce que nous avons décidé de faire, qui fait partie de notre programme, comme l'exemple qui est le nombre de personnes pour les écoles primaires en France. Voilà. Et les toitures de l'école primaire et tout ça. Donc, premier conseil municipal pour moi, élection du maire, que je dis comme ça, c'est très particulier, mais on n'a pas le choix. On est obligé de se plier à ce petit exercice dans l'intérêt de chacun. Je rappelle que juste à la population que le Covid est aussi à Barsac, comme dans toutes les communes qui nous bornent, qui sont plus loin, il n'y a pas moins ou plus de personnes, parce que tout le monde veut savoir qui. Je pense qu'il ne faut pas non plus faire de la ségrégation parce que telle ou telle personne a pu avoir le Covid. On ne déplore aucun décès et je pense que là est le plus important pour nous. Bien, je vous dis merci à tous. Merci à tous les Barsacais qui nous suivent, puisque c'était en direct ce soir. Et même si ce n'est pas simple pour pouvoir filmer correctement et présenter les choses correctement, on s'en excuse par avance, on espère qu'à l'avenir nous pourrons retrouver la salle qui est la nôtre, notre salle habituelle, et je sais qu'elle sera plus heureuse de nous y accueillir de nouveau sous la mariage, comme la loi normalement nous oblige, mais là on est dans une configuration totalement différente, c'est la raison pour laquelle nous avons pu être délocalisés. Bien, il est exactement 19h52, la séance est levée. Merci à vous.